Facile. Facile, facile. Moins facile là. Et c'est bon. Non. Ok. Bon, moi, ça a le mérite d'être clair là-dessus. D'accord. J'ai cliqué dessus au pif, mais bon. Ok. Il faut le bonhomme de neige complet. Il faut les trois trucs et le. Ok. Des fraises. Si ce jeu pouvait arrêter de me donner faim. D'un côté il peut être très cringe, et d'un autre côté il peut donner faim, putain, sa race. Oh, un écureuil. Salut copain. Ça dit des fraises plutôt que ton truc là? Non? Bon. Non, il se déplace, c'est tout. On a des cornes. Tu veux une glace en hiver, toi? Tiens. C'est tout? Bon. Pas plaisir de te faire plaisir, tonton. Qu'est-ce que c'est que tout ça? J'ai pas compris là. Puis j'ai pas repéré où est-ce que je devais appuyer, plus ou moins, pour que ça fonctionne, ça. Non, tu veux plus le faire. Bon. J'avais le marteau en main. Non, c'est pas ça. J'avais ça en main. Ouais, j'avais ça en main. Ah!
Est-ce que ça marche que là ou... peut marcher ailleurs. Ok. J'ai saisi le concept. Ok. Je peux faire tomber de la neige à certains endroits pour casser notamment les pots. Petit caillou. Ok, ça je sais à quoi ça sert. Et la carotte. Bon, frangin, ah. Ah. Non. Ça non, mais par contre ça, c'est évident. Ça aussi. La carotte. Et il manque 2-3 trucs. Hein. Ah mais oui, je suis bête. Je voudrais un bonhomme de neige. Tiens, tu veux une corne? Non? Un coup de marteau sur la tronche? Non? Bon. Ah. Non. Pas ça non plus. À l'intérieur. Bah alors OK. Je peux faire une deuxième glace avec un autre fruit, mais je ne sais pas. Ok. The hand. C'est bête, je vois que le, je vois que c'est fissuré en haut, mais je pensais qu'en faisant progresser le bonhomme de neige, je... Puissante boule de neige, boule à neige. Ok.
Il manque un truc. Il manque quelque chose. Ok. J'ai remis la boule de neige. Je pense que j'en aurais plus besoin. Ah, bordel, c'est quoi ça? Ah bah non, c'est bon. C'était les fraises qu'il y avait dessus. Ça, je sais pas trop. Oh, attendez. Mais oui. Non. Ok. Il me faut un récipient. J'ai dû rater un récipient. Je peux pas récupérer ça. Je peux pas récupérer ça. Est-ce qu'il a mal au crâne? Je coince. Je coince vénère. Je ne sais pas. Va réexaminer les pots. Parce qu'apparemment, c'est le seul truc qu'on peut faire. Il y a cet écureuil là, je sais pas ce qu'il veut. Et il y a ce truc là. Je sais pas, il y a un poisson là, mais je peux rien faire avec. Est-ce que... Non. Je peux pas... Je vois pas. Lui, il a tapé dessus à coup de marteau, je peux rien faire. Par ici. Est-ce que j'ai raté un truc dans les étapes intermédiaires? Non. Lui, là.
En vrai, il me manque que le chapeau pour le. Et le chapeau, c'est l'oncle qui l'a. Et je n'ai que le marteau. Là, j'ai ça, mais si je clique sur le chapeau, il met la main sur le chapeau. Si je clique sur sa bouche, il lèche. Il a beau lécher, de toute façon, ça se vide pas. J'ai toujours accès à ça là, mais les cornes, voilà, c'est. J'ai plus accès à ça. Du coup, si je vais par là, il y a. Ici, j'ai accès à rien. Ici, il n'y a pas de. Il n'y a pas de mini-jeu ici. Donc, à l'habitude, il y en a régulièrement un. Et ici, j'ai les montagnes et tout. Ici, je peux voir le truc. Il reste plus que ça. Enfin, voilà, rien dedans, enfin voilà quoi, je vois pas là, je vois pas ce qui, comment je peux, ah bordel. Va être horrible ça. Pauvre bête. Oh non, puis ce sont. Oh là là, mais quelle horreur. Pauvre écureuil. Du coup, la peau d'écureuil, je sais pas quoi, à quoi ça peut servir. Je m'attendais pas à voir ça. Ah.
Quoi? Ah. Mais, mamie, qu'est-ce que tu fais? Bah, t'as l'air fine, mamie. Tiens, tu veux une forêt d'écureuil pour tenir chaud? Oh là là là. Mais quelle farce, cette mamie. Bon. Bordel. Avec le bout pointu, je vais pouvoir libérer le frangin. Oula, là ça mal finir ça. Bon, c'est bon. Toujours une tête d'abruti, hein, mais bon. Ça a pas changé ça. Bon. Une serrure. Où est-ce qu'il y avait une serrure? Je me souviens pas d'une serrure. Attendez, 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 je viens de réagir à un truc là. Je peux pas le mettre quelque part, le pic. Non, bon. Je me souviens pas d'une serrure quelque part. Il fait assez froid, Paradise. Non, sans déconner. It's pretty cold in Paradise. Excusez-moi. C'est évident. Ben, je pense que c'est évident.
out. Take me instead. Gooey. The eighth plague, locusts. Ok. Ouf. Excusez-moi, je m'étire un peu, mais... There was a man, he is my dad. There was a man, only brother I had. There was a man, no hat did he wear. There was a man in the middle stood there. There was a man, all skin and bones. There was a man, no hairs under his nose. There was a man, he stands to my right. There was a man, hair gray as first light. There was a man who was really quite fat. There was a man, feathers perched on his hat. There was a man, had a clock for his heart. He was a man, the last man, and the man from the start. Pas trop à quoi ça m'aider. Oh bordel d'enculé de ta race. Quoi, c'est bien ça, non? Ouais, ok, d'accord, c'est parce que c'est... Bon! On se rentre! Zut! Non, c'est celle-là.
Va voir, c'est bon. Ah, je déteste ça, putain. Non, c'est pas ça. Ah, ça me saoule. Et puis, attendez. Attendez. C'est pas ça? Ah, lui, il m'énerve! Quoi, c'est pas ça? Oh, ça m'énerve, je jure, ça me prend le chou, les musiques! La musique, j'ai une très mauvaise audition. Du coup, ça me saoule! Déjà, c'est quoi la différence entre... Hop, ouais, je le fais au pif. Je fais ça au pif, mais... Blablabla. Je fais ça au pif. Je le fais. D'accord, ok. Oh, la montre religieuse. Ok, sale bête. Ouh. Ok. Ok, là je suis coincé. Mais... Oh là là, oh là là.
The halls are not what they seem. Eyes blinded by the fog cannot see the truth. Ok. Ok, donc lui plus en haut à gauche. Lui il est presque, lui il faut que je le mette plus à droite. Quoi? Ah, c'est à l'opposé. C'est à l'opposé. C'est ça. Ok, d'accord. Faut que ce soit son point de vue. Ok. Et là, je vois pas le... Je vois pas le bâtiment là. Ok, apparemment tout le monde est rentré. Ah mais oui.
Encore une fois, hein, je rappelle que c'est inversé. Du coup, il y a quelque chose ici. Qu'est-ce que... Quoi? Ah, non, ok, c'est parce que j'ai déplacé là. Non, reviens là, saloperie. Je dois faire un truc avec toi, mais je sais pas quoi. Tu m'emmerdes. Tu me casses les noix. Putain. Non. Oh. Une clé là. Ok. Je vois pas où je peux creuser là. C'est logique. Ah bordel. Bon, c'est que ça va, c'est qu'au moins on sait quoi en faire ça. Oula, mamie. 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 Bon. Oh bordel, mais il y en a combien? Les ténèbres. Bon. Bordel, en plus visuellement, il était horrible ce niveau. Bon. Je veux dire, dans la pénombre comme ça, on voyait que dalle, c'était super chiant. On va commencer par la gauche. Ah, il y avait un truc là. Ah.
sais pas. Fait, je te. Ok. Bon, il y a un code. Ok, ça c'est un tir à l'arc. Bla 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 bla. Un poisson? Une espèce d'oiseau, je suppose. Un ours, peut-être. Son, be prepared. The glorious day of the lake is coming. C'est un cerf, ok. Et putain de merde, j'y connais rien en signe astrologique. Enfin, en signe astrologique ou même en constellation, j'y connais pas grand-chose. Il y a le bélier. Ça, si j'ai pas de bêtises, c'est le signe du B. Non. J'y connais rien. Ça, si j'ai pas de bêtises, c'est le Verseau. Non, ça doit être le signe de la Vierge. Bélier, ça doit être ça. On va brute force, hein. Ça va être chiant de brute force. Parce que là, il y a pas mal de il y a pas mal de combinaisons à tester, hein. Mais je les connais pas, les signes, ça me saoule. Ça, c'est. Ça c'est des constellations, ça c'est signe astrologique, mais je les connais pas. Allez, hop. Ah, Internet. Internet. Et puis il est 5h. Du coup, signe astrologique. Ping. Alors, est-ce qu'on a... dans image peut-être? DuckDuckGo image. Est-ce qu'on peut avoir... lâche les ais. Et pas avec leur signification. Est-ce que je peux avoir les symboles? Lâche les ai. Ah, je les ai pas entièrement. Casse les... Ah, ça y est, je les ai. Je les ai entièrement. Alors, Ok, donc. Alors, je sais plus comment ça s'appelle, mais là, il y a un mec qui bande un arc, en effet, dans le symbole. Le 2. Il représentait un poisson. Les poissons, c'est... C'est ce symbole, les poissons. Ok. Ah, alors j'ai le cancer et le capricorne. Et les symboles qui ressemblent pas.
Ça, visiblement, c'est le lion. Donc, en 3, je dirais ça. Je sais pas du tout ce que c'est que ce signe-là. Attends, il y a les poissons, les Capricorne, c'est quoi? Parce que... Parce que moi, je suis né le 24 mars, donc je sais que je suis bélier. Et bélier, je sais que c'est ce symbole-là. Enfin, il me semble que c'est ce symbole-là. Mais c'est le seul symbole que je connais parce que c'est le mien et que voilà. Mais bon, 4, 4, c'était quoi? Non, j'ai confondu. Attendez, attendez, faut que je revienne en arrière. Du coup. Donc ça, je l'ai. Lui, c'était poisson. Ok, d'accord. Donc 3, c'était... Non, c'est une balance, elle. Le signe des balances. Le signe des balances. 3 balances, c'est... moi, c'est une espèce de... Ouais, c'est celui-là. Ok. C'est une sorte d'oméga, là. Ok. Du coup, 4. C'est ce que faisait la lion, c'est ça? Ok, elle est du signe du lion. 4, c'est lion. Lion, c'est ce symbole-là, j'ai dit. Eh ben, bordel. Eh ben, qu'est bordel? Oh. Ah, ok, d'accord. Donc l'inclinaison. Le rougeoiement. Et la phase. Ça, pour les coups, les phases de la Lune, ça va. Plus blanc encore. Ok. Donc rouge. Et... Ok. Ensuite. Comme ça. Ensuite... La super lune de sang, hein, comme s'énerverait Astrono Geek. Et ben c'est bon en fait. Ah d'accord, ok. Lol, lune de sang, bien sûr. Hein. On rigole. On rigole, on rigole. Ok, super. Bon, je pense qu'il va falloir que j'aille faire un tour ailleurs. Je vais garder ce. Je vais me l'envoyer par Messenger, cette image-là. Afficher le fichier. Hop, partager.